Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu The Guild 2 Renaissance. On arrive, on s'approche de la fin tout simplement parce que dans cet épisode nous allons encore augmenter notre potentiel économique, mais surtout nous allons essayer de voir comment améliorer notre réputation. On l'a déjà essayé dans l'épisode précédent, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas encore trouvé exactement comment on faisait, mais on va essayer de le faire de manière à pouvoir passer baron, etc, etc, ça peut être pas mal. Allez, sur ce, nous sommes partis. Alors, donc, nous voilà avec 62 000, presque 63 000 d'or, donc c'est énorme. Ce qu'on va faire d'ores et déjà, nous allons améliorer le bailleur de fonds en banque. C'est, je pense, une très bonne idée. Et maintenant c'est, je pense, une très bonne idée, ça suffira. Oui. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu branles? Pacification. Vous êtes capable d'amener la paix en deux ennemis. Ok, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Ah, quoi? Nous nous sommes déjà par trop déchirés. Il est temps de mettre de côté nos rancœurs. Vous avez laissé parler votre cœur. Oublions ce différent et faisons table rase du passé. Alors d'accord. Un différent vient d'être réglé. Un différent vient d'être réglé, d'accord. Ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut très bien marcher aussi comme ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne ce genre de truc, faudrait peut-être que je regarde un jour, mais actuellement je m'en tamponne un peu la nouille avec une babouche, je dois dire. Donc, il fallait que je sois connu, parce que c'est pas tout d'améliorer tout ça, mais il fallait que je sois connu. Alors d'après ce que j'ai compris, et d'après ce que j'ai vu, en fait il y a deux réputations différentes. Quoi? Ah oui, c'est vrai que je suis maître de guilde. Il y a la réputation de guilde et la réputation de la famille. En l'occurrence... faudrait que je fasse les meilleures parties pour se rendre à Cardis aussi. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que je m'occupe de ça. Il y a des bons parties possibles, il faudrait peut-être que je m'en charge. Statut. On peut pas descendre, non. Riche. Réception droit. On peut pas voir. J'ai pas de valeur d'armure. J'ai une espérance de vie. Ok. Dégâts d'attaque. L'XP. C'est fou. Où est-ce que je peux voir. Non, pas Eggelsweit. Où est-ce que je peux voir ma renommée? Ok, réputation, guilde respectée, famille connue. Honneur. Nye. Il y a des trucs qui sont recopiés par-dessus, c'est bizarre. Inconnue, famille inconnue. Voilà, c'est ça le problème. Et pour ça, il faut que je parte en croisade, mais j'ai toujours pas compris comment il fallait faire, ou que je parte en guerre. En guerre, je sais, parce que j'ai réussi à trouver. Il faut aller à l'arsenal et puis dire, je veux partir en guerre. Pour la croisade, je sais pas trop. Peut-être que je me suis pas pris à temps et qu'il fallait aller dans une cathédrale. Parce que généralement, c'est ce que je pense qui aurait été le cas si c'était une comment ça s'appelle. Si j'étais au Moyen-Âge, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Si je voulais m'engager dans la croisade, je serais allé dans un lieu religieux vu que c'est quand même une guerre de religion. Et c'est pas cool les guerres d'ailleurs, hein, n'oubliez pas. Et les guerres de religion encore moins. Bon, sur ce, qu'est-ce que je voulais faire? Mettre en vente. Ah bah oui, il fallait que je... Bah, tout simplement, s'il n'y a rien qui se passe, je vais laisser tourner le jeu de manière à ce que le bailleur de fonds, bah, il se construise en banque. Voilà, c'est parti. Alors, ça y est, la banque est arrivée. D'accord, j'ai un enfant qui est en âge d'aller à l'école. Est-ce que je vous l'avais dit? Je me souviens plus si je vous l'avais dit, mais j'ai eu un gosse mâle aussi. Mais j'ai complètement oublié. Ça fait un bout de temps, je me souviens plus. Je sais même plus si je vous l'ai dit, putain. Ok. C'est pas tout, parce qu'on vient d'améliorer ensemble ce bâtiment. Donc, il est temps de faire de nouvelles choses. Notamment, certif. Matière première requise. Ça coûte super cher. De l'or. Un acte notarié et du colorant végétal. Une cheminée, ça augmente la productivité du commerce, donc ça c'est pas mal. On va mettre de la traite client aussi, ça peut être pas mal. De toute façon, j'ai de la thune, j'ai genre masse thune. Et les pièces en or, ouais, ça peut être pas mal les pièces en or, mais sauf qu'il n'y a pas d'or, donc quoi.
Il y a juste pas d'or dans le coin du tout. Du coup, pour l'instant, ça va être un peu niette. Enfin, je crois. Hein. Oui, ils vendent pas d'or. Il y a personne qui vend de l'or. Il doit falloir avoir un artisan minimum. En tout cas, c'est plutôt... Comment dire? Bah ici, on commence à avoir des gros établissements, en fait. C'est juste qu'on a une cabane à côté. C'est con, parce qu'on possède une grosse banque, une grosse pâtisserie, des trucs assez mastoc. Mais à côté de ça, on a une toute petite cabane. Très logique. Ce qui est un peu con. Baronet, Lorelei, Crasis, ouais, donc c'est bien à moi. Le truc, c'est que je ne sais toujours pas comment je pourrais faire pour améliorer ma réputation, ce qui est particulièrement idiot hein, quand on y pense, effectivement, mais je ne sais pas comment faire. Du coup, pour l'instant, tant pis, tant qu'il n'y a pas de guerre ou quoi que ce soit, je vais avoir un peu de mal. On va peut-être faire un tour du côté de l'arsenal. On va aller voir un peu du côté de l'arsenal s'il n'y a pas des options possibles. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Guerre et paix, très peu de chances pour que l'empereur de l'Empire germanique parte en guerre contre l'un de ses ennemis. Ouais. On va peut-être quand même faire un petit tour du coup du côté de l'arsenal. Ah bon bah finalement je viens d'arriver à l'arsenal mais il y a un appel à la croisade qui vient d'être lancé. Eh ben allons-y par la croisade vers la croisade. En avant. On va aller voir du côté de notre église. Peut-être qu'avec un peu de chance, de notre cathédrale, avec un peu de chance, c'est là. Un comptoir achète des matériaux de construction. Ok. Et maintenant ? Alors, attends, tu fais tout le tour alors que t'aurais pu passer par là ? T'es quand même le dernier des crétins. Putain. Hein. Quoi, maintenant ? Ouais, quand même le gros crétin, un bon gros crétin, comme on n'en fait plus. Ah ! Sinon, où est-ce que ça pourrait. Il pourrait y avoir du recrutement ? C'est là que je veux que tu ailles. Hein. Putain, mais ce pathfinding de l'enfer! Non, toujours achat d'indulgence. Merde. Attendez, je vais essayer de trouver comment on fait. Alors, je crois que j'ai trouvé. Il suffit d'aller voir, en fait, la cardinale du coin. Donc, en fait, faut aller voir Olivia Bidule. Faut s'y mettre juste à côté. Il est où, mon Gugus? Il y arrive. Le tout, c'est qu'elle le fasse... elle part pas tout de suite. Ah, rends-moi mes FPS. Non, je veux pas offenser quelqu'un. Je veux juste parler. N'a pas le temps. Comment je peux faire pour aller... Avec plaisir. Avec plaisir. Béni soient ceux qui acceptent. Et je voudrais pouvoir lui parler, c'est là que j'ai vu. Normalement, on doit pouvoir le faire. En avant, avec plaisir, en avant. Béni soient ceux qui acceptent. Néo ! Je veux pouvoir le faire. En avant. Oh ! En avant. Pourquoi j'ai pas l'option ? Hein ? Ah, c'est quoi cet enfer? Je suis censé pouvoir avoir l'option, mais non. Attaque, dévaliser, soudoyer, exorcion achevée. T'as sérieusement, c'est ce que j'ai lu, hein, on est censé faire. Alors attendez, peut-être que si... Je vais sauvegarder la partie rapidement. Son nouvelle sauvegarde pour éviter quoi que ce soit. Et je vais charger la partie. Peut-être que. Il y a juste un bug. D'après ce que j'ai lu, le jeu est quand même bien buggé, sa mère. Je suis bien content qu'ils en fassent un 3 et que potentiellement ils soient meilleurs. Béni soient ceux qui acceptent. Au travail ! J'en serai ! Je viens ? Alors là, je fais un truc full random. Hein. Béni soient ceux qui acceptent. Ouais, non, ça marche pas. Putain, mais qui est-ce qui pourrait venir ? Oui, Bono. S'il n'y a que ça. On va essayer de les faire toutes venir, hein, tant pis. Hein. Ça se trouve, ça a marché. Je les remettrai au travail plus tard, mais...
Ah là, ils partent. Putain, ils partent. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Bon, tant pis. Quoi maintenant ? Tant pis, tant pis. Bon, là là, ça m'énerve. Alors, c'est censé marcher comme ça, mais bizarrement, bah, ça va pas marcher, donc bon. C'est assez étrange, mais bon, tant pis. Alors, on va les remettre au taf. Et on va faire tourner un petit peu la machine encore, hein, de toute façon. Pas grand chose à faire. Tout fonctionne bien. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Mais ça m'embête encore, cette histoire de guerre, tout ça. Normalement, on devrait pouvoir faire des trucs sympas, mais... Mais non, on n'y arrive pas parce que... Fuck it. Fuck it, fuck it. Et ça commence à vraiment me les broyer sévère. Pour rester particulièrement poli. Ah la vache. Bon. Eh ben, je vais continuer un petit peu à générer de l'argent. Et puis, on va bien voir. S'il y a une guerre, normalement, c'est l'arsenal. L'arsenal, c'est quand même plus simple. Si ça se trouve, on est arrivé trop tard pour la... Pour la croisade, où on n'était pas bien équipé, je sais pas. Je vais essayer de me renseigner en attendant, tant pis. Ok, c'est bon, je vais me renseigner, puis je vais essayer de tourner le jeu un petit peu comme ça. Alors en fait, j'ai compris, enfin d'après ce que j'ai lu, il semblerait qu'il y ait une condition en plus pour partir en croisade et pour gagner de la réputation de... La réputation impériale. En fait, la réputation impériale s'obtient en étant souvent maître de guilde. Donc plus souvent on est maître de guilde, plus souvent on a... Enfin... Plus on a de chance d'avoir la réputation impériale. Et les croisades, en fait, ne sont accessibles qu'à partir d'un certain moment. Il faut avoir vraiment beaucoup de... faut vraiment gagner beaucoup d'argent à l'année. Ce qui n'est pas encore mon cas, d'après, si on regarde un petit peu... Attendez, je regarde un truc. Qu'est-ce qui se passe? Oui, si, ça produit. Si on regarde mes recherches... Non, reviens là. Ouais, on voit que mes finances sont quand même bien derrière tout le monde. Au niveau de la richesse, ça va, on commence à arriver au niveau du jaune, mais on est encore loin derrière les rouges, qui sont particulièrement au-dessus. Au niveau des compétences et d'attitude, on est bon, mais voilà, on vient de rattraper les jaunes, ce qui n'est pas jojo du tout. Du coup, il va falloir qu'on continue sur notre lancée, tout simplement. Ce que je vais faire, parce que c'est quand même assez répétitif, je pense que je vais juste laisser tourner un petit peu le jeu, je vais m'en charger tout seul en fait, sans le capturer. Et dès que je commence à avoir de la réputation impériale, je vous reprendrai. Comme ça, ça sera quand même plus simple. Ça évitera de faire des épisodes à rallonge en permanence. C'est pas très très intéressant, il faut le reconnaître. Ça sera quand même mieux, je pense. La production est interrompue. Je pense que ça sera quand même mieux. Je vais juste envoyer ça ici. Décharger, je vais rechercher des matières premières pour faire des lingots, tout ça. Et ouais, le tout, c'est je pense qu'il faut passer les 100 000, il faut gagner pas mal de richesses. Actuellement, on est à combien en patrimoine? 219 000. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez, je pense. C'est clairement pas encore assez, bah de toute façon, je pense. Ça se voit, pour l'instant, on gagne rien. Du coup, bah non. Peut-être qu'avoir un bon parti de mariage pour Celandra Crisis, ça serait pas mal. Je vais peut-être m'en charger, mais je pense que je vais m'en charger du coup, comme je l'ai dit, un petit peu tout seul dans mon coin. Pas parce que je vous aime pas ou que voilà, mais c'est pas très intéressant en fait à montrer parce qu'au final, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le concept du jeu et moi aussi. Il y a une certaine part de répétitivité à ce niveau-là. La production est interrompue. Donc je vais essayer de vous épargner un petit peu ça. Bon, attention, 17. Pas en prendre plus, pas en prendre moins. Voilà. Il faut que je travaille. Rendez-moi mes FPS, voilà. Bon. Mais finalement, tout ça est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On a quand même pas mal de choses. On fait un solde de 10 000... Il y a vraiment moyen pour qu'on ait un solde supérieur à 20 000, faudrait que je vérifie. Mais on est plutôt pas mal. Sur ce, je pense qu'on va tout simplement arrêter cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde,
Portez-vous bien.